Bonjour à tous et à toutes. Le sujet du jour, c'est la suite des itinéraires concernant les déplacements sur longue distance et l'implantation des bornes. Maintenant, on va voir ensemble ce qui se fait dans d'autres pays européens, en commençant par les pays du Sud, puisque ce sont des pays touristiques, l'Espagne et le Portugal. Alors pour faire quelque chose de concret, j'ai pris une distance à faire en Zoé ou d'autres voitures électriques, mais en Zoé principalement, donc avec des bornes de recharge tout le long du parcours, une grande distance. Donc j'ai fait avec les deux badges, sur les deux sites internet, les deux prestataires de services qui sont ChargeMap et NewMotion. Donc à distance, déjà l'itinéraire, hein, bien entendu, 1876 km pour 27 heures. Alors là, c'est du lourd. Partir de l'est, bon, centre-est de la France, de Troyes, évidemment, pour arriver au Portugal, à Lisbonne. C'est une traversée en diagonale d'est en ouest. Alors là, on traverse une grande partie de l'Europe quand même. Donc c'est un voyage qui va se faire au minimum en 2 jours. Sachant qu'il y aura des recharges qui vont prendre du temps. Donc ces recharges s'additionnent au temps du parcours, bien entendu. Alors je dirais 2 jours minimum. Alors ce parcours est fait hors autoroute. C'est aussi pour cela qu'il est long. Les autoroutes, ça a été volontaire, hein, j'ai désélectionné les autoroutes. Après, si vous voulez refaire le même parcours par autoroute, c'est simple. Il faut faire trajet ici, décocher, éviter les autoroutes, éviter les péages. Et là, vous aurez accès que par autoroute avec les bornes rapides, mais assez chères à l'utilisation. Après, chacun verra. Hein. C'est une démonstration. Enfin, je montre en même temps, on va voir ensemble ce qu'il est possible de faire. En France, on connaît à force. On connaît les dispositifs de bornes, les zones blanches. Alors là, j'ai sélectionné volontairement toutes les bornes sous le parcours. Et regardez, si je désélectionne ChargeMap, donc afficher uniquement les prises compatibles avec le ChargeMap Pass, tac, je fais ça. Rechercher. Voilà. On revient sur les fameuses zones blanches. C'est-à-dire, pas les zones blanches en tant que telles au niveau des bornes, mais les zones non compatibles avec ChargeMap, mais qui peuvent être compatibles avec NewMotion. Si je bascule sur le site NewMotion, bon, alors là, NewMotion, ça va être lourdingue. Je fais donc. On ne peut pas faire le trajet via NewMotion, c'est dommage. Un trajet avec l'indication des bornes compatibles. Alors vous voyez, NewMotion, c'est pareil, hein, c'est. On voit les zones blanches. C'est long, très long à afficher. Hein. Ah, si vous avez un ordinateur qui n'est pas très puissant, ça va faire la même lenteur que sur le mien. Alors pour glisser, je glisse, je glisse, je glisse, mais ça ne réagit pas tout de suite. Voilà, ah, ça a du mal. Hein. Donc les mêmes régions, bien entendu, ne sont pas couvertes aussi avec NewMotion. Là, c'est un manque d'infrastructure, hein, bien entendu. Donc notre trajet, c'est à peu près ça, hein, en diagonale. Donc vous voyez, toujours, même avec NewMotion, vous aurez quand même des zones blanches. Hein. Mais avec la Zoé, ce n'est pas un problème, parce que vous pouvez traverser sans vous recharger ces zones-là. Parce que votre trajet, vous allez faire par exemple par ChargeMap, avec des bornes compatibles ChargeMap. Alors regardez, oui, voilà, je fais une petite interruption là. Ce département est en train de s'équiper. Voilà, il n'y avait rien et regardez comme ça pousse, c'est en train de se monter. Je zoome. Hein. Donc c'est autour, c'est à l'ouest de Nevers. Alors ici, il n'y a rien par contre. Le Morvan, pour l'instant, à part le Chablis, il n'y a pas grand-chose. Alors que des bornes rouges et les bornes violettes. Ah si, il y en a une là, tiens. Mais bon, vous voyez, les bornes rouges sont en train d'être installées. Voilà, ça y va. Est-ce qu'elles seront compatibles tout de suite avec ChargeMap? Je ne pense pas. Il faut un certain temps.
Donc ici sur le parcours, il n'y a rien. Alors j'ai des zooms, hein. Il n'y a rien de compatible charge map. Alors ça fait quand même de grandes longueurs. Si je désélectionne le filtrage charge map, évidemment, tout va changer. Voilà, on a accès à beaucoup plus de bornes. Toujours pareil, il faut avoir aussi des badges, à moins que ce soit gratuit, on va voir ça ensemble. Donc E, c'est charge élec 36. Donc je suppose que oui, c'est département 36. Alors qu'est-ce que c'est comme recharge payante? Voilà, l'inconvénient c'est ça, recharge payante. Oui, mais avec quel badge? Un badge à eux, bien entendu, du département. Ça veut dire qu'il faut recommander un badge. Alors, on a fait le Pas-de-Calais, il faut commander un badge. Dans Lyon, il faut commander un badge. Là, dans le 36, il faut commander un badge. Bah, il y a encore des problèmes, hein. C'est difficile, hein, quand même, hein. Alors, ce qui est étonnant, c'est que ce sont des bornes toutes neuves et type 3. Vous voyez, type 3? Si vous avez une voiture à côté, ça sera pas une Zoé sûrement, vous aurez un autre modèle de voiture qui va se charger sur le type 2. Et vous, avec votre Zoé, vous êtes tout content, tout fier, parce que lui, il ne pourra pas se charger sur la type 3. Il y a que la Zoé qui peut se charger sur la type 3. À tout l'intérêt. Alors, on est vraiment en France, hein. C'est franco-franco, hein. Franco-français. Donc, les photos. Oui, c'est une borne neuve. Oh oui, elle est neuve, hein. Tiens, on peut payer par carte bancaire. Ah, là, c'est une découverte. Alors là, si on peut payer par carte bancaire, on se pose plus de questions. Sûrement une carte sans contact. Un commentaire. Il n'y a rien indiqué dans les commentaires. C'est dommage. Ah, ça, c'est intéressant à savoir. Elles sont rares, les bornes justement où on peut régler par carte bancaire. C'est l'idéal, ça, régler par carte bancaire. Ah oui, c'est ce qu'on veut. Donc, on continue le voyage, hein. Donc, vous voyez, toutes les bornes ici compatibles charge map. Alors, dans le sud de la France, hein, c'est vraiment bien, bien équipé, hein. Je vais faire un dérapage sur la droite, vous allez voir. Donc, on continue. Pof, pof, pof. Alors, c'est parfait. La moitié du voyage charge map, c'est super. Donc la moitié de la France a traversé comme ça, je dirais qu'il y a à peu près 1000 km, un peu moins. Bon, 1000 km en France, il n'y a pas de problème, on peut les faire en électrique sans souci. Hein, on a des bornes vraiment partout. Je m'arrête là parce que je vais vous montrer autre chose. Je bascule sur la région méridionale, méditerranéenne, suite et reprise. Donc on continue. On arrive en Espagne. Voilà. Dans l'Espagne. La belle Espagne. On a une borne ici. Ah, il n'y en a pas 36 000. Hein. Vous voyez, il n'y en a pas 36 000, mais il y a quelque chose de particulier. C'est qu'il y a beaucoup plus de bornes violettes qu'en France. Parce que là-bas, il n'y a pas de Zoé. Ils n'ont pas conçu la Zoé. Hein. Il n'y a pas de constructeur espagnol qui construisent de voitures électriques. Ce sont des sous-traitances, hein, pour Volkswagen, Seat, à part Seat, Seat qui a été repris par Volkswagen. Mais on voit qu'il n'y a pas de borne à dire. Je regarde si j'ai bien décoché. Oui, donc c'est bien décoché. C'est vraiment les bornes accessibles avec n'importe quel badge. Donc celle-ci, par exemple. Dans les Pyrénées. Et voilà, ça recommence. Restaurant, camping, Tesla. Ah ouais. Ah, ça c'est embêtant. Ça c'est embêtant, c'est les câbles type 2 attachés. Recharge gratuite, mais je ne sais pas si c'est compatible, si le propriétaire du camping vous accepterait que notre voiture, que Tesla, notre marque puisse se recharger. Ah, ça je ne sais pas. Et la photo, il y a tout ce qu'on veut, les commentaires. Bon, ah, elle est en train de recharger. Oui, mais avec quelle voiture? Il a mis son logo. On va voir ça de plus près, on ne peut pas. Si. C'est pas une Tesla. Non. Donc, apparemment, on pourrait se recharger, même si ce n'est pas une Tesla. Ah, c'est. Faut fouiller, hein?
Il faut jouer au détective hein, quand on roule en électrique comme ça, qu'on sort des sentiers battus de nos coins en France. Là, on va ailleurs, on est paumé. Hein. Alors ensuite, on va sur Pamplune. Si Pamplune, c'est du violet, on va voir ça ensemble. Du violet, c'est toujours intéressant, c'est du tri standard. Alors recharge, on ne sait pas. Borne, ah oui, tri standard, donc impeccable pour la Zoé, super. Et d'autres modèles aussi. Voilà, c'est bien. Commentaire, aucun commentaire. Bon, ça, c'est pas bien. Mais on peut s'en sortir malgré tout. Alors là, par contre, en Espagne, évidemment, si on parle pas espagnol, si on parle pas la langue locale, ça coince. Parce que l'affichage sur les bornes, si c'est marqué en espagnol, ça va pas le faire, hein, façon de parler. Donc après, si on continue à rouler, c'est le désert. L'Espagne, c'est une partie désert. C'est sec. Il n'y a rien. Voilà, là, il faut une Zoé avec une deuxième batterie. Ça démarque seulement en Espagne. Je dirais que l'Espagne a 2 ou 3 ans de retard sur la France, par exemple. Voilà. Alors, c'est en train d'être rattrapé. Il y a une volonté politique de mettre les bouchées doubles. Tant mieux. Leur rebelote Tesla. Oh là 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 là. Donc, c'est pas facile. Hein. Oui, il faut dire ce qui est. C'est voyager en électrique dans les pays du Sud. Pour l'instant, l'Espagne, je vois l'Espagne, c'est pas évident. Hein. Encore Tesla. Vous voyez, à chaque fois, oh là là. On arrive au Portugal. Ben, on arrive en poussant la voiture, hein, parce que de toute façon, il n'y a plus d'énergie depuis un moment dans la voiture. Alors. Là, je regarde celle-ci. Et elle rebelote Tesla. Non, mais c'est incroyable, ça. Alors, on arrive au Portugal. Plus petit pays, bien sûr. Beau comme tout. Pour arriver à destination. Oh, bah tiens, comme par hasard. À destination, il y a une flopée de bornes. Oui, mais. À destination, oui. Mais entre le départ, enfin, quitter la France et l'arrivée, à destination, Lisbonne. Ah ben, on a poussé la voiture tout le long. On s'est fait engueuler 50 fois parce qu'on n'a pas de Tesla. Et voilà. On a rempli le coffre de chorizo, c'est sûr. Mais on arrive à Lisbonne. On a fini de pousser la voiture, hein, bien sûr. On se rebranche. Alors, à Lisbonne, c'est toujours pareil. Regardez le nombre de bornes violettes. C'est exactement ce qu'il faut. Que eux, ils ont peut-être pas beaucoup de bornes parce que ça démarque seulement. Le marché électrique n'est pas aussi développé que par chez nous. Mais ils ont l'intelligence de mettre des bornes tri standard. CHAdeMO, Combo, type 2, 43 kilos. Voilà, ils ont au moins la volonté de contenter tout le monde. En France, il y a une flopée de bornes monumentales. C'est incroyable le nombre de bornes. Tiens, Lidl. Nombre de bornes qu'il peut y avoir en type 2 en France. Mais les bornes violettes, pour le tri standard, il n'y en a quasiment pas. C'est. Ouais, c'est incompréhensible. Ah ben dis donc, Lidl avec tri standard, s'il vous plaît. Ah, recharge payante, dis donc. Ah. Ah, heure d'ouverture. La photo. Une Zoé. Ah oui, la belle Zoé, elle est toujours là, hein, on voit partout. Hein. Que ce soit l'Espagne, le Portugal ou ailleurs, hein, les Zoé. La Zoé, c'est la première voiture vendue en Europe. Hein. Voilà, tri standard, c'est exactement les mêmes bornes que je vous ai montrées sur l'autre vidéo dans Lyon. C'est exactement la même. Bon, elle fonctionne très bien, hein. Il n'y a pas de problème. Elle ne tombe pas souvent en panne, heureusement. Les commentaires, bon, là, faut traduire, hein. Ensuite, ce que je vais vous montrer, donc on a vu que le voyage en dehors de la frontière française en descendant dans le sud, c'est en électrique, c'est quasiment mission impossible pour le moment. À moins de prendre l'autoroute. Oui, là, sur l'autoroute, il n'y aura pas de problème. Mais attention, le coût, le temps de recharge, est-ce que ça en vaut la peine? Pas vraiment. Donc, je vais vous montrer ici. Alors, je vais retirer ça. Je vais retirer ça. À moins que je clique sur carte directement. Oui, bah, d'accord. Alors, la carte, c'est pour montrer Perpignan. Alors, quand je vous dis que là, le sud de la France est bien équipé en bornes,
C'est pas un mensonge. Hein. Je connais, hein. J'ai passé pas mal de vacances là-bas, il y a un moment déjà. Mais là, le nombre de bornes qu'il y a, mais pas seulement dans les zones touristiques, hein, en bord de mer, mais aussi dans l'arrière-pays. Ah, ils ont tout fait les choses correctement, et le long des nationales. C'est pas perdu dans le fin fond de la Pampa. Non, 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 regardez. On suit là. Ah bah tiens, on peut s'arrêter là, on peut s'arrêter là. Ils vendent du rosé, là, il est moins cher, on va s'arrêter là. On va continuer, tiens, ils vendent des... Comment qu'ils vendent les fruits, là? Pas les potirons, les pastèques. Ah, voilà, on y repart. Il y a plus de bornes que de parasols, presque. C'est incroyable. Et il y a des bornes violettes. Alors les bornes violettes, j'imagine que ce sont les autoroutes. Et si on remonte comme ça, hein, j'ai quitté l'Espagne, là, on remonte un peu en France, ça va être comme ça tout le long. Regardez ça. Et toute compatible charge map. Ah là, on peut rouler tout le long de la Méditerranée électrique. Voilà. Et même l'arrière-pays, il est aussi bien équipé que au bord de mer. Alors ça, c'est formidable. Je retourne en Espagne. Qu'est-ce qu'il y a en équivalence en bord de mer? Eh ben, en bord de mer, là, il y a plus de parasols que de bornes. Oh là 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 là. Oh là là, qu'est-ce qu'on voit du violet là? Ouh, le violet. Ah, c'est une couleur qu'on va commencer à apprécier fortement. Hein. Regardez ça, le nombre de portes. Oh non, mais c'est incroyable, incroyable. Là, je découvre avec vous. Hein. C'est impressionnant. J'en prends l'une au hasard. Ah, par plaisir, hein, pour voir. Bon, c'est en espagnol. Hein. Alors, là, on est dans le pays catalan. Hein. C'est le pays, la région la plus riche d'Espagne. Alors, évidemment, en ce moment, au niveau politique, ça coince en Espagne. Donc, toujours pareil, tri standard. Chademo, combo, type 2. Excellent pour la Zoé Q90. Voilà, recharge gratuite. Cerise sous le gâteau. Recharge gratuite. Et on continue, il y a une photo. Bon, c'est déjà bien. Avec deux belles places, une BMW i3 qui se recharge. Ah bah c'est parfait. Vous voyez, malgré qu'il y a des endroits vraiment déserts en anglais, il y a de quoi faire dans les zones balnéaires comme ça. Là, Barcelone, c'est hyper réputé, bien sûr, hein, c'est une des villes les plus visitées au monde. Ils ont mis le paquet. Alors, on sent qu'il y a la volonté financière, politique de faire l'accueil à tout type de véhicules, tout type de touristes. Non seulement Tesla, mais les autres aussi. Parce que si on va dans les autres coins d'Espagne, on a bien compris que si on n'a pas une Tesla, il y a un taureau qui va nous courir après, qui va nous en mettre un coup dans le derrière. Donc là, ce n'est pas le cas. Et si on remonte, eh ben, il y a encore des bornes violettes et des bornes rouges. Alors les bornes rouges, elles ne sont pas compatibles avec Charge Map. Enfin, en ce moment, Charge Map, je pense qu'ils doivent avoir du mal avec les pays du Sud. Alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est un hôtel? Type 2, recharge payante, oui, mais bon. Carte de crédit. Ah, alors peut-être, là aussi, payante avec une carte bancaire. Non, j'y crois pas, parce que vu la tête de la borne. Non. Ah non, 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 non. Oh là là, enfin bon. Je crois pas. Là, il faut un badge, sûrement d'un hôtel. Ah, je pense que c'est affilié avec ça, avec l'hôtel qui est ici. Mais c'est bien malgré tout. On peut dormir à l'hôtel et recharger la voiture. Bon, il y en a plein, hein, des bornes violettes là aussi. Regardez ça, à nouveau. Et des bornes rouges. Malheureusement, pas compatible charge map. On est en Espagne, hein. Et on remonte, on se rapproche de la frontière. Et toujours ces bornes violettes. Mais à chaque ville, même qui n'est pas très importante, il y a des bornes violettes. L'exemple à prendre. Il faut aller dans les pays du Sud, l'Espagne, pour voir ça. Et voilà, tri standard. Tout le monde est heureux. Et c'est gratuit. Ah, encore plus heureux, là. On y retournera. Si on va en France, c'est ribambelle de bornes rouges. Ah bah oui, là, bornes rouges, il y en a partout. Très peu de bornes violettes sur autoroute, principalement, évidemment. Il y en a quelques-unes quand même, mais bon.
C'est pas dans les grandes villes hein, qu'elles sont les bandelettes. Hein. Vous voyez Carcassonne. C'est incroyable ça. Donc on voit. La vidéo va être encore longue. Je m'adresse toujours aux primo-acquérants, aux personnes désireuses d'avoir plus d'informations. Je vous montre ce que vous pouvez faire chez vous aussi, puisque vous avez un ordinateur, Internet et accès à ChargeMap. Donc vous voyez un petit peu toute la bande méditerranéenne, la côte méditerranéenne, est équipée de bornes affiliées avec ChargeMap. Ah oui, là c'est impressionnant. Les lieux touristiques comme ça, c'est vraiment l'idéal. Ici, par contre, dans ce département-là, c'est pas encore fait. Ça va sûrement pas tarder. Mais c'est équipé de bornes déjà. Voilà, donc j'ai fait le tour de l'Espagne un petit peu. Hein, j'ai juste effleuré. Évidemment, vous pouvez approfondir, hein, aller plus loin. Et j'imagine bien que ce sont des voyages longs. Malgré tout, on peut le faire en électrique. C'est possible, puisqu'il y a quand même des bornes. À l'Espagne, bien sûr, par autoroute, hein, principalement. Si vous rentrez dans le centre de l'Espagne, sur Madrid, vous avez plein de bornes. Mais autour de la capitale espagnole, il n'y a rien, hein, à part Tesla, on l'a bien compris. Mais petit à petit, ça va se faire. Plus il y aura de voitures électriques vendues, plus la demande de ravitaillement électrique sera importante, plus ce sera équipé. Ça, c'est important. Il faut savoir, dès que la vente de voitures, le nombre de voitures électriques aura atteint ou dépassé les 10%, vous verrez, ça va exploser de partout. Parce qu'il y aura tout type de voitures électriques à ce moment-là. Toutes les marques seront concernées. Et les constructeurs sont en train de mettre les bouchées doubles parce que c'est la fuite en avant. C'est la course en avant. Ils savent qu'il y a un pactole, il y a tout un renouveau du marché automobile à faire. Et chacun veut sa part du gâteau, c'est normal. Renault est le premier. Et les autres suivent. Ensuite, il y a Tesla, mais Tesla, c'est l'autre côté de la Terre, hein, c'est loin. Ils arrivent aussi par charter. Alors donc, ça va bouger, ça va évoluer. Pour l'instant, on a des voitures qui roulent à 500 km d'autonomie, parfait. Donc on peut faire des grandes traversées, mais bon, le prix des voitures n'est pas donné non plus. Voilà, je vous dis à bientôt.